J'avais une voiture comme celle-ci dans le temps. Et c'est ma caisse. Où est-ce qu'on est? À la racine de votre boucle infernale. Oh non, pas ici. Pourquoi tu me l'as... Comment t'as pu m'amener ici? Donc vous reconnaissez l'endroit? Évidemment, ce sont vos souvenirs. C'est la maison où j'ai grandi. La maison de mes parents. J'étais pas revenu ici depuis 15 ans. Meg, elle venait tout juste d'avoir un bébé, ma nièce. C'était une petite fête pour l'accueillir. À vrai dire, c'était la dernière fois que toute la famille était réunie. Parce que ma mère est tombée gravement malade juste après. Elle est décédée. Mon père ne lui a pas survécu. C'était ma dernière chance. Et je suis pas entré. Donc c'est une fête pour la naissance de votre nièce? Quelle joyeuse occasion. Pleine de chaleur, de bonheur. Une véritable célébration de la vie. Alors allez-y. Entrez. Non, désolé. Bien sûr que si, vous pouvez dire rien de plus simple. Vous ouvrez la porte et vous entrez. Ils ont pas envie que je vienne. Mais ils vous ont invité, non? C'est juste par politesse. Oh, je vous en prie, ne cherchez pas d'excuses. C'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, mais personne ne veut l'entendre. Je ne suis pas du tout en train de chercher une excuse. Ah non? Pourtant votre famille est là, à l'intérieur, et vous, vous êtes là. Pourquoi? Vous avez peur? Peur? Pourquoi j'aurais peur d'aller voir ma propre famille? Parce que vous savez très bien que si vous passez cette porte, ce ne sera qu'une question de temps avant que vous ne recommenciez à merder, hein? Ça prendra peut-être 2 jours, 2 mois ou 2 ans, mais ça arrivera. Vous braquerez une banque, vous volerez une voiture, vous mettrez les bijoux de famille en gage, vous le savez, c'est inévitable. Tôt ou tard, vous finirez toujours et encore par les décevoir. Alors vous préférez rester loin d'eux pour l'éternité. C'est vrai. T'as raison, tout ce que t'as dit est vrai. Je sais. Attends, il s'agit pas que de moi, là, hein? C'est l'enfer de qui, exactement ?